Bonjour les amis, hi friend. Aujourd'hui, je vais préparer des gésiers, je vais les faire frire et puis j'aurai du riz cantonais, comme vous voyez. Yes, today I'm gonna cook a fried rice with some vegetables and we have a fried geyser too. So we need a spring onion blended with onion. Tomato paste, hot curry, like you've seen, a black pepper, and salt. And we need the onion for later on for geyser. Donc, je disais, j'aurais besoin de la ciboule écrasée avec l'oignon, la tomate, on aura du curry qui est un peu pimenté, on aura du poivre noir. On aura besoin de du sel et puis à la fin on aura besoin de l'oignon. Et voilà. Bonjour les amis, ça ce sont les gésiers que j'ai déjà assaisonnés. J'ai mis l'oignon et la ciboule écrasée. J'ai mis du poivre noir, du sel. J'ai ajouté du cube magie. Et puis j'ai ajouté ce condiment que vous voyez, c'est du poivre noir aussi, mais mélangé avec du citron. So I was saying, this is, I already put all these ingredients in for my geyser. So I did add green onion and spring onion and onion blended. Then black pepper, salt. I added a magic cube like you see here. Then I did a black pepper and lemon mix also. Okay, voilà, ça c'est l'huile pour faire frire les gésiers. Je n'ai pas mis beaucoup, j'ai seulement besoin d'un tout petit peu. Yes, this is the oil to fry the geyser. I didn't put a lot, it's just a little bit. And I like a peanut oil like you see here. J'aime utiliser l'huile d'arachide. Je ne sais pas vous quelle est l'huile que vous aimez, mais moi j'aime bien l'huile d'arachide. Comme vous voyez les amis, j'ai déjà ajouté les gésiers dans la poêle. Ils vont rester là pendant au moins 20 minutes et puis bon, j'ajouterai de l'eau. Et like you see, friend, I already add my geyser in the fryer. I will let them stay on the stove for 20 minutes, then later on I will add water. I find it's time to cook rice. This is the rice that I already washed, and this is the bowl that I use. It's gonna be one bowl of rice and one bowl of water. Donc ça c'est le riz que j'ai déjà lavé. J'ai utilisé un bowl de ce bowl que vous voyez là, et puis je veux aussi utiliser ce même bol pour l'eau. Et voilà. Ok, c'est le temps d'ajouter le riz. Putting the rice in the rice cooker. Then we will wait for the rice to be ready and fry it. Puis on va seulement attendre que le riz soit prêt et puis le faire frire avec les légumes. À tout à l'heure. Et vous voyez mes gésiers, ils sont en train de bouillir. On va attendre jusqu'à ce qu'ils soient prêts et puis on va les faire frire. Yes, you see my geyser. I did add water. We just have to wait for the geyser to be ready and then we will fry them. Et là, tu sais, it's time to fry our geyser. C'est le temps de faire frire nos gésiers. Comme vous le voyez, ils sont en train de bien frire. Et voilà. Our geyser are ready. I just add a little onion on top. Les gésiers sont prêts. J'ai seulement ajouté un peu d'oignon. Un tout petit peu d'oignon, mais sinon, tout est prêt. Ready to eat. Now it's time for fried rice. Maintenant, c'est le temps du riz cantonais. Et voilà.
Oui, ça c'est l'huile pour le riz et les légumes. Okay, this is oil for rice and vegetables. I'm going to mix vegetables first, then I will add rice later on. Je vais d'abord mélanger les légumes, l'oignon, la tomate et puis après j'ajouterai le riz. Yes, les amis, ça ce sont les légumes que je suis en train de faire frire. J'ai tout mélangé. L'oignon, les légumes, la tomate, le black pepper, le curry et la ciboule et l'oignon écrasé. Yeah, this is my vegetables that I'm frying. So I have onion, vegetables, carrots. I add black pepper and tomato. Yes. Okay, les légumes sont prêts. My vegetables are ready. So I'm going to add rice now. Je vais ajouter le riz maintenant. Vous voyez, je vais ajouter le riz. Ok, voilà, ça c'est la finale. Et yes, this is my geyser, a fried rice. Ça c'est mon riz et des gésiers. Bon appétit.